Salut à tous, voilà une petite vidéo assez spéciale. Donc j'en ai parlé en live dernièrement. J'ai mis un peu de temps avant de la tourner, là j'enchaîne l'enregistrement, la diffusion de la vidéo parce que c'est un cap à passer aussi, il faut que je l'annonce officiellement. Voilà, pour en fait, il y a un moment de ça, j'ai dit à la Nuclear Team qu'on allait arrêter. Donc c'était un peu une petite bombe que j'ai lâchée dans notre groupe privé et pourtant bien réel. Je l'ai annoncé donc dernièrement en live sur l'avant-dernière émission de la saison. Et donc voilà, pour dire que la Nuclear Team telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est fini. Et le pourquoi du comment, c'est parce que on n'arrive plus, tout simplement. C'est 100% bénévole, ça fait 13 ans qu'on fait ça et ça en fait des années. Donc voilà. En gros, la Nuclear Team se finit parce que ben, nous avons évolué, en fait, clairement. Et on n'arrive plus à trouver le temps de se retrouver pour filmer nos conneries. Parce que, ben voilà, pour moi, c'est le boulot. J'ai plus de responsabilités. Tita, pareil, il est débordé de boulot. Donc, il est KO aussi. Et c'est vrai qu'on se voit même plus trop, plus tant que ça, quoi. Mathieu, Manon, qu'ils ont eu... un petit enfant, donc voilà, très très compliqué de se retrouver, et puis voilà, on a grandi, et du coup c'est plus pareil. Heroica, ça fait déjà un petit moment qu'on tourne cette web-série, donc on n'arrive plus, et donc bah, cet été sortira l'épisode 8 qu'on a fini, ça y est. Par contre, pour l'épisode 9, le final, il sera sous une autre forme, donc je ne sais pas encore, on verra si on le fait en audio, si on vous diffuse sous forme d'histoire, on ne sait pas encore, on verra ça, mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'officiellement, la Nuclear Team, c'est fini, mais la chaîne n'est pas finie, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ben là, voilà, je suis en train de toujours travailler sur le jeu de société avec Tita, on avance quand même nos projets, et en fait, on va se consacrer avec Tita à 100% sur le NGI, donc ça, c'est pas, ça se termine pas, ça continue, parce que ça nous demande moins de travail, on a moins d'équipes techniques, donc ça, c'est réalisable, et ça nous plaît, ça vous plaît, donc c'est le bon compromis. Après, voilà, il arrivera d'autres vidéos, que ce soit sur l'envie, que ce soit des vidéos en drone, où c'est que je visite des lieux, des trucs comme ça. Mais voilà, ce sera plus les web-séries, ça c'est un côté fini pour nous. Ou alors ce sera du one-shot, mais ça nous demandera beaucoup de boulot, et donc ce sera avec d'autres personnes, je pense, enfin une partie de l'équipe et d'autres personnes. Donc à voir, et je voudrais, si le temps me le permet, faire aussi quelques courts-métrages, donc voilà. C'est les projets qui seront à venir, mais c'est pas garanti dans l'immédiat parce que pour le moment on n'a pas le temps. Ça va être la priorité au NGI. Donc voilà, 13 ans qui s'achèvent là. Donc il y a une petite vidéo qui va arriver juste maintenant qui nous remémore un peu les souvenirs. Et puis ben, je vous laisse regarder ça et je vous dis ciao ciao. Oh putain, casse-toi. Voilà, c'est ça. I could cry, but I won't. Oh. Ouais. Vous savez, vous. Follow le vous. Me, she said, as she started to run. And I watched on as the rain came down. In a smile, glint in her eye, a little look, and she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. Thank you.
just to come back again. So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again. C'est fou parce que, comment dire, c'est simple, je fais pas ça du tout pour la gloire, et c'est un truc que vous avez compris, et oh putain, c'est chaud, j'aime pas ça.